Tiens, c'est marrant, il y a un viewer en plus alors qu'on va tester Sextoy. Tiens donc. Mais je suis pas sûr que je l'ai bien. La content policy ne veut pas. Dali ne peut pas faire ce genre de choses. Ou alors il faut qu'on tape. Attends, comment est-ce qu'on peut. On peut faire comme ça. Mais adulte, il y a. Non, en anglais, il n'y a pas Adulte. de. Ah non, dommage, il est fort, hein. Il est fort le Dali. Il nous a senti venir. Ouais, j'ai essayé. Je viens de tenter et malheureusement, il a le nez fin, tu sais. Il s'est dit, hey, il essaye de me niquer là, non? Alors ce live Twitch, il fait suite à la sortie de la vidéo dans lequel on a parlé de cet outil Makita un peu farfelu. Farfelu, putain, j'ai 150 ans. Alors je voulais utiliser une IA. Bon, ici c'est Dali, donc c'est pas le plus performant, mais c'est celui sur lequel on a droit à des crédits gratuits. Donc, mais nous on va l'utiliser pourquoi? On va l'utiliser pour essayer de lui faire créer des outils. Tu vois, on va se mettre dans la peau un peu des créateurs Makita et se dire, bon, on a une idée complètement malade, qu'est-ce qu'on veut inventer? Par exemple, juste une cam de chantier, tu vois, pour faire ça sur quelques Comment est-ce qu'on va lui écrire ça? Action cam Makita, peut-être Makita action cam. Attention qu'on a que 46 essais, hein. Action caméra. Je crois que c'est deux mots, action cam. Tu crois que du coup, en faisant juste... pas comme ça, comme ça? N'hésitez pas à nous aider dans le chat hein, si vous avez des... Oui. Comment est-ce qu'on écrit chantier déjà? Worksite. Je demande pas. Ah ben je clique sur générer du coup. Alors voilà, tu as une... tu as 4 quatre... magnifiques propositions. Et celle-là elle est assez folle hein. Tu as une genre de méga poignée, double poignée, parce que du coup tu peux vraiment la tenir... Vraiment. Bon, il y a une petite lichette, apparemment c'est offert avec, c'est pour la maintenir... Et c'est un genre de gros flash en dessous, contre, on sait pas trop. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il a vraiment repris la couleur et tout le bazar. Oui, il a réussi à chercher du Makita et du coup il a pris la couleur bleue Makita. Mais ça, c'est un genre de casque de chantier avec une caméra. Ça, du coup, tu dirais que la cam est accrochée au bout de la visseuse et donc tu vas la faire tourner, ce qui va être très, très perturbant à filmer. Alors, du coup, on va faire le fauteuil massant Makita. Par contre, comment est-ce qu'on écrit fauteuil massant? Chair. Par contre, maintenant, massage. Allez, c'est parti. Roulement de timbure. Le deuxième est dingue. Le deuxième ouais. Est dingue. Moi, il me fait un peu peur. Je dirais plus un fauteuil. À mon de... avis, ça te masse, mais ça te bute en même temps. En fait. Tu as quatre pics qui s'enfoncent dans tes épaules pour bien te maintenir. Tu bouges pas. C'est limite, t'as vraiment aussi une pointe qui va se mettre entre deux vertèbres dans ta colonne vertébrale pour que tu bouges plus. Et pour que tu puisses aller dans la matrice. Je vois le genre. Mais ils ont l'air tellement malsains, c'est... Ouais, il y a un côté... Bah après, de nouveau, c'est un truc de chantier, hein. C'est techniquement un truc qui normalement doit encaisser, c'est pas censé être beau. Ok, mais attends, comment est-ce qu'on dirait... Ah oui, chantier. Putain, je sais déjà plus comment on dit chantier, c'est bien. On apprend l'anglais avec l'atelier. On tente. Attends, Makita Electric Truck, du coup. Après, on est tellement sage dans nos demandes, alors qu'on pourrait demander n'importe quoi. Ouh. Ouh, ils sont intéressants. Il est sympa, celui-là. Le premier est très cool, les autres par contre j'ai pas pigé. Attends, on va les regarder chacun à leur tour. On vous a mis un bout de camion, je vous allais pas nous emmerder. Je pense que ça roule tout seul. Par contre il a déjà pété un bout devant, j'ai l'impression qu'il y a... C'est vrai qu'il y a un bout du pare-choc qui s'est arraché. Alors celui-là je comprends pas trop comment il se conduit. On dirait à la fois un... On dirait que tu dois utiliser une énorme visseuse... taille humaine pour pouvoir faire rouler les roues. L'accélérateur, c'est la gâchette, quoi. Je veux dire, c'est. Celui-là, je l'aime bien. Bon, par contre, tu vois clairement que dalle devant toi, mais attention, je transporte du gravier. Ouais. Je vous vois pas, les gars, par contre. Makita car, electric car, parce qu'on veut, qu'elle soit électrique, parce qu'on est écolo. Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Y a rien qui va. Non, y a rien. Je veux être remboursé de mon crédit là. Alors là, on a à la fois une voiture, une visseuse. Le premier ultra abstrait, tu vois, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Magritte qui a fait ça, ceci n'est pas une voiture. Et... Ceci n'est pas une voiture. Mais en vrai, t'as vu la portière, elle est toute petite. Oui, vraiment, y a... Micro portière. Et d'ailleurs, tu remarqueras que les stickers s'en vont déjà. Une petite boucle là. Alors ça, on dirait qu'il a des chenilles. Genre c'est une scie sauteuse sur chenille, donc c'est une scie sauteuse qui avance tout, ça n'a pas de sens. Par contre ce qui est marrant c'est qu'il a tenté d'écrire Makita mais... C'est comme une Kia mais... Oh le partenariat
Ikea. Ça a mal tourné. Bon, on n'a pas grand chose d'intéressant sur la voiture. Je serais presque tenté de dire un MacBook Pro de chantier. Mais on voudrait qu'il soit hyper résistant. Comment est-ce qu'on dit résistant? Résistant, super, merci. Heureusement qu'on est bon en anglais. Attends, on va mettre ultra tout. Bon, c'est pas très, très concluant. C'est moche, c'est pas ça. Celui-là, je l'aime bien parce que c'est vraiment genre la révolution. On a retiré l'écran. Il n'y a plus d'écran. Non, non, vraiment, il t'a viré l'écran partout. Mais en fait, mais attends, ce qui est logique, parce que ce qui est le plus fragile, c'est l'écran. Donc tu lui as demandé qu'il soit hyper résistant, bah, on vire l'écran. La visseuse scieuse. Ah oui, d'accord. Attends, on va tenter ça. Alors, screwdriver. Ça n'a pas marché. Ah, là, je pense que Quentin, on a des trucs intéressants. C'est clairement une visseuse inutile. Visseuse décoratrice, quoi, je veux dire, c'est... Celle-là, on dirait une genre de scie sauteuse. Kita Electrical Tilt Cutting Machine. Ah bah, on va tenter, tiens. Let's go. C'est parti. Coupe carrelage Makita, électrique, portatif. Alors, celui-là, il coupe le carrelage à l'horizontale. Si vous voulez, si t'as une marche chez toi et que c'est le carrelage un peu trop épais, tu viens juste raboter, c'est un rabot de carrelage. C'est intéressant à garder ça parce qu'il y a une idée. Alors, celui-là, il y a un truc intéressant, mais la lame est un peu bizarrement mise. Ouais. Ce qui est fou, c'est que vu l'état du carrelage, c'est pas une très bonne pub pour ce découpe carrelage. La pose de carrelage est dégueu. Oh, je dirais pas qu'elle est dégueu. Ils ont juste pas posé les carrelages, là. On va dire que l'IA n'est pas très regardante sur la beauté du carrelage du sol, quoi. Alors, oui. Vraisemblablement, Dali a vraiment du mal à poser du carrelage. Il faudrait voir ce qu'il donne avec la tasse Makita en alu. Oui, c'est vrai, il faudrait voir ce que lui en fait. Voilà. Et tu vas voir, on va avoir pile celle de chez Makita parce qu'en fait, ils l'ont créé grâce à Dali. Et on va tout comprendre. Alors, on a Malk, Matmaka, et même un avec le verre à shot pour faire commencer les chantiers en pleine forme. En fait, on aurait peut-être dû mettre mug parce qu'on aurait eu une anse. Ah, ben voilà, on est plus proche du mug. En vrai, on n'est pas loin du tout du vrai mug Makita. Hein. Genre sur celui-là, à part que c'est pas marqué Makita dessus. Alors, attends, on a l'exosquelette Makita. On peut tenter, hein. Moi, j'avais imaginé un gant avec au bout des doigts des bits de tournevis, tu vois. Et tu pourrais dévisser avec ton doigt. T'imagines le truc, serait trop pratique. T'as genre ton petit gant et tu fais hop, hop, hop. Tu pourrais avoir un doigt avec un endroit pour mettre un bit. Mais par contre, je sais pas comment est-ce qu'on lui demande un gant. C'est pas exactement ce qu'on veut. Là, on a un tournevis avec un mec qui a des gants. Vraisemblablement, il ne veut pas. Alors, je pense que c'est parce que l'idée est trop bien. Et du coup, il se dit, hey, mais attends, je vais pas leur donner ça. Je l'envoie directement à Makita. Bon, bah, vraisemblablement, c'est pas possible. Ce qu'on a le plus proche, c'est celui-ci. Parce qu'on pourrait imaginer que c'est le bout du doigt, mais... Ah, ça y est, on a des trucs. Bon, c'est très moche, mais... Là, celui-là, il a à peu près un truc au bout du doigt. Mais je crois qu'il a toujours pas compris ce qu'on voulait. Bon, alors, on va essayer l'exosquelette Makita. Par contre, du coup, exosquelette, en anglais, ça se dit comment? Bah, à mon avis, c'est exo avec squelette en anglais, quoi. Oui, c'est effectivement exo et squelette en anglais. Squelette, vraiment, les gros nuls en anglais, quoi. Bon, j'appuie sur générer, hein. J'ai décidé de ne plus m'arrêter là. J'espère vraiment un truc à l'Iron Man. Franchement, prépare-toi à être déçu. Oh, alors on n'est pas sur Iron Man. Mais par contre, le dernier, je trouve qu'il y a une idée. Hein. Je trouve qu'il y a un truc. On dirait plutôt des exosquelettes pour personnes âgées. Et alors, ça, c'est mon super exosquelette Makita. Avec ça, je suis de mon petit Billy. Il est gentil, mon petit Billy. Billy. Le déambulateur. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment genre, c'est pour avancer tout doucement sur les chantiers. Bon, je suis pas hyper convaincu des exosquelettes. Harry Potter à l'école des ébénistes, tu vois. Ébénistes. Oh, vas-y. J'aime bien parce qu'il s'est dit, Harry Potter, il a des lunettes, non? Bon, on va lui mettre des lunettes, c'est Harry Potter. On va lui mettre des lunettes, non? Bon, alors, attends, Harry Potter... Tu es un meuble, Harry. Ne va pas couper du bois dans la forêt interdite, Harry. Oh, il y a bien plus que... Ah bah tiens, voilà Harry Potter qui construit un meuble Ikea. Bon, là, on a Harry Potter qui tente le meuble Ikea. Là, par contre, sur la dernière, il s'énerve sur le meuble Ikea. Hein. C'est pas monté un meuble Ikea, ça. Putain, elle va où, cette vis? Elle va où, la putain de vis? Non, surtout, ce que je vois, c'est que le bois est vraiment trappé. Parce que j'aimerais bien, genre, Harry Potter des films, tu vois, le vrai. C'est le Makita 2000. C'est un Makita 2000. Mais vraiment, Harry Potter, pour lui, c'est les lunettes, quoi. C'est vraiment... je t'ai trouvé un mec avec des lunettes, ça doit être Harry Potter. Potentiellement... Et si on fait Atelier Rose People? From... de YouTube channel l'atelier des bros. Je pense qu'il ne trouvera rien du tout. Mais voilà, c'est tout nous ça, non? Wow.
Voilà à quoi ressemble l'atelier des Bro et la Zélias. Moi j'aime bien celle qui rassemble tout le monde là. On voit qu'il y a un petit peu de la diversité. Bah ressemblance sur 20 minimum effectivement. Je pense que on va régénérer. Après celui-là on a presque moi, toi et Mops, non? Ah bah attends, on va prendre celui-là et on va faire des variations autour de celui-là. Donc si on a d'autres idées entre temps on pourra. Bah voilà. C'était cool, non? Moi j'ai bien aimé Dali. C'était cool.